Et salut tout le monde. Salut les gars. Ça va les mecs? Bon, aujourd'hui on va pas tergiverser. On va ouvrir direct. Parce que je sais que d'habitude je baragouine et tout. Alors je voulais juste vous montrer un petit truc. On passe peut-être même en cam. On est vendredi. J'ai eu une semaine de 4 jours. Et donc, j'ai pas bossé aujourd'hui. J'ai joué à Final Fantasy VII Rebirth, qui est un excellent jeu. Ça fait grave plaisir. J'ai succombé. Alors j'ai acheté. On fait quand même un petit tour des achats. Bon, je l'ai mis à l'envers malheureusement, mais regardez, j'ai chopé un classeur où on peut mettre directement les top loaders. Donc c'est 20 et quelques balles, 21 balles je crois sur Amazon. Mais c'est bien pratique, comme ça je peux mettre mes doubles et mes coups de cœur et les cartes, vous voyez, japonaises en top loader. Donc c'est sympa. Voilà. J'ai craqué les gars. Bon, je l'ai un peu abîmé malheureusement en rentrant de course, j'ai pas fait gaffe. Oh putain, ça flotte. Donc, on fera une petite ouverture si ça vous intéresse. J'ai acheté aussi des Panini Dragon Ball. Ils ont l'air dégueulasses ces cartes, on les ouvrira en même temps que les Panini. Ça fera une petite ouverture nostalgique. J'appellerai ça ouverture nostalgie, d'accord? Voilà. Donc là on a les Krados et ce qui nous intéresse, alors je vais quand même mettre ça de côté parce que je sais pas si ça va pas un peu interférer sur la lumière. Et donc là on va s'ouvrir, donc le coffret qui était, on va passer en cam directement, allez hop. Donc le coffret qui était abîmé par ce prestataire. Je voulais vous montrer autre chose, j'ai acheté ça sur Amazon, donc en fait c'est pour faire une petite protection, vous voyez c'est des trucs aimantés ici. Voilà, donc c'est sympa hein, dans l'idée hein, pour pouvoir protéger ces cartes. Vous voyez, c'est aimanté, vous mettez la carte, mais le problème c'est qu'elles sont arrivées toutes abîmées. J'ai pas le support pour les mettre debout et mon paquet était ouvert. Donc j'ai appelé Amazon, je suis tombé sur un blizzard complètement bourré. Et le mec il m'a dit, je vous fais un remboursement direct. Alors je sais pas s'il l'a fait, mais il m'a envoyé des mails. Je rappellerai demain ou lundi si le remboursement n'a pas été effectué. Regardez, vous voyez, il y a un petit pack, un petit pain au milieu là. Et ben en fait, sur tous les trucs, on a un petit impact au milieu. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est sympa. Hein. Pour mettre en valeur des cartes, protéger des cartes type Draco Feu, Mew et tout, c'est cool. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre direct, les mecs. Allez, on ouvre, j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui, courte. Donc j'ai un deuxième coffret hein, là-bas. Hein. Il est dans la bibliothèque. Donc moi, je m'en fous, hein. Je dégomme hein, le coffret, les gars. Y a pas de... Je suis pas un bandeur de scellés moi. Les cartes c'est fait pour être ouvertes. Pour être ouvertes tout court. Oh là 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 là. Le chef d'œuvre les mecs. Alors, on a la jumbo card. Alors, attendez, peut-être monter un petit peu. Jumbo card. Ça aussi je vais mettre un peu. Bien sûr, je vais mettre en bas. Jumbo card et on a les cartes. Bon, on va ouvrir direct. Donc là on a 5 boosters. Sympa, petite ouverture sympa. Hein. Bon, la vidéo Paldea vous a beaucoup plu parce que j'ai eu pas mal d'abos, j'ai eu pas mal de vues, j'ai eu 400 vues sur la vidéo assez vite. Et ah merde, elles sont là les. Et il y a eu pas mal d'abonnés, donc vous avez aimé Paldea. Et ça fait plaisir. Moi ça me fait plaisir que vous aimez ma manière d'ouvrir, voilà, où je dis ce que je pense, il n'y a pas de faux semblant, etc. Vous savez. Moi j'ai passé l'âge de dire oh tout est génial et tout. Quand c'est de la merde, je dis que c'est de la merde et c'est tout. Bon, on va retrouver notre pote Tritox. Ça y est, Tritox va être de retour. Oh là 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 les mecs. Quel chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre. Regardez ça. Aïe 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 aïe. Elle est sublime. Vraiment. Donc voilà, petite promo. Donc Pikachu Gigamax. Énorme. Donc ça, je pense que c'est une évolution qui est venue à partir des jeux Switch. Donc je sais pas. Peut-être je connais pas assez. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais regardez-moi ça les gars. Quel chef-d'œuvre. Comme ça, glossy en plus, sympa hein. Franchement. Glossy Prism, quoi.
Ah, elle est sublime. Franchement, deux cartes qui valent vraiment le coup, hein. Mais il n'est pas très cher, il est à 30, 39 euros le coffret, quoi. Je pense, pas 39, mais 40, 40 euros, 45 euros. Et voilà, sur eBay, vous le trouvez à 59 euros, mais je pense que sur Card Market, il y a moyen de. Eh, mais franchement, Glossy, elles sont vraiment top, hein. Vraiment, vraiment top. On va sliver ça tout de suite. Hop. Ah, ça fait grave plaisir. En plus, pour une fois. Ah ouais, regardez, elle est quand même un peu. Regardez, vous voyez? Cadrage. C'est les mêmes problèmes tout le temps en fait. C'est fou, hein? Sur les cartes FR, quoi. Celle-là, elle a l'air pas mal. Ouais. C'est toujours le même problème, hein. Allez, let's go. Hop. Après, je sais que ça a moins. Ça intéresse moins le Zenith Suprême parce que c'est une vieille collection, mais. Voilà. Oh, la Jumbo aussi. Eh, mais franchement, elles sont sympas, hein. Franchement, faut le dire. Regardez ça. Quel chef-d'œuvre, les gars. Quel chef-d'œuvre. Même, j'hésite à prendre un petit classeur Jumbo aussi, hein. Vraiment. Alors, hop. Alors, on va laisser. Attendez, on va mettre ça comme ça. On va mettre les deux Pikachu. On va les mettre dans le cadre, si possible. Oh, attendez, excusez-moi. Hop, on va descendre un petit peu ça. Hop. Voilà, ça fait grave plaisir. Et bah c'est parti, les gars. Hein. De toute façon, je fais le entre guillemets le full set Zen Suprême. Donc, s'il y a des cartes que j'ai pas, je suis content de les rentrer. D'accord. Et donc, on est parti. On va commencer par là, dans l'ordre. Il n'y a pas vraiment d'ordre parce que celui-là c'était celui-là qui était en face, je crois. Et après, celui-là c'était gauche, gauche, milieu. Allez, gauche. Let's go. Je crois que c'est 4. 1, 2, 3, 4. On est d'accord. Allez, bon. Alors là, vraiment, j'aimerais bien choper vraiment du lourd cette fois-ci. Alors j'aimerais qu'on ait la Pikachu. Imaginez que dans le coffret Pikachu, on a la Pikachu Alternate. Ce serait énorme. Alternative. Oh! On a le Meowth, l'évolution de Meowth ou Meowth de Galar, je sais plus. Oh non, les mecs, c'est cadeau, les mecs! Alors, 1, 2, 3, 4, on est d'accord que c'est ça, hein. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert du Zénith. Bon, allez, c'est parti. Let's go, les gars, let's go. Allez, énergie haut. Aspirateur perdu. On va aller assez vite, hein, c'est une vidéo course, mais bon, je sais que vu que les gens, il n'y a pas beaucoup de rétention d'audience, donc. Galégon, on l'a déjà. Donc, ça, en fait, je vais mettre celle que j'ai pas au-dessus et celle que j'ai en bas, mais bon. Voilà, Meowth de Galar, on l'a. Récupération d'énergie. Allez, let's go. Lixi, on a notre petit Lixi. Pyronie. Ben, Pyronie, je l'ai normalement. Hein. Scalpion, évidemment. Hein, Scalpion. Donc là. Oh, mais attends, mais what? Attends, mais. Énorme. Ah, c'est Cri. Ah! Chrysapile radieux, mais oui, en fait, je crois qu'il y a trois cartes radieuses. Non, j'ai même pas fait gaffe, les gars. Mais je crois qu'il y a trois cartes radieuses dans Zénith Suprême. C'est énorme. Regardez avec l'espèce de prisme quadrillage. C'est sympa. Oh, regardez ça. Eh, c'est sympa. Hein. Et en fait, tu as Dracaufeu radieux, tu as lui. Et je crois que tu en as un autre, je sais plus c'est lequel. Attendez, on peut encore avoir un petit V. Ah non, et on a une rare. Donc celle-là, je l'ai. Celle-là, je l'avais pas. En tout cas, donc attendez, on va mettre plutôt en bas. Et celle-là, je crois que je l'ai. On va la mettre quand même dans le doute avec celle que j'ai pas, mais il me semble que je l'ai. Bah, c'est bien, ça rentre quand même des cartes que j'ai pas. Vous voyez, donc c'est une exception sans lettre. Parce que je complète le full set quand même. Donc c'est sympa. Mais après, je pense quand même que je vais commencer à acheter des cartes à l'unité parce que c'est pas raisonnable, hein, d'acheter des cartes comme ça, d'acheter des boosters à ouvrir. Mais on a le TB, hein, qui est arrivé. Si vous voulez, je vous le montrerai, mais on a le TB qui est là maintenant. Et j'ai commandé aussi un ETB Reine de Glace. Vous avez vu les prix des ETB Reine de Glace? Ils sont passés tous à 80 euros, alors que c'était, tu les trouvais à 50 euros presque avant, il n'y a pas si longtemps. Donc j'ai pris un ETB Reine de Glace. Et après, c'est bon, je me calme, j'ai pris les decks, voilà, les decks dresseurs. Et je compte prendre peut-être un coffret Pikachu Paldea. Mais j'attends le mois prochain. Voilà. Merde, ça c'est en haut, c'est vrai. Alors, échange d'énergie, je l'ai. Chaussures de randonnée,
Je l'ai. CD-ROC. Je l'ai. Récupération d'énergie. Attendez. Ah d'accord, il n'y a que des cartes dresseurs. Emolga. On l'a. Love Disc. Il est de retour. Ah, attendez. Juste monter un tout petit peu. Hop. Emolga. Love Disc. Ça, j'ai pas concentré, désolé. Donc c'est pas maintenant. Voilà, là c'est là. Ijako. Et donc derrière, on a soit la GG, soit je sais pas, peut-être l'Alternate. Ou peut-être que l'Alternate est à la place de la V-Star. Je sais pas. Ah non, c'est pas maintenant. Ah non, non, c'est pas maintenant. Yanma, c'est... là c'est maintenant. Ok. Oh, full art. Est-ce que c'est les full art dresseurs qui sont à ce niveau, les gars? Putain, les gars. Full art. Alors, attendez. On a Clamiral, on l'a eu. On a Deoxys Alternate qui peut être là. Mais je sais pas si c'est une Deoxys Alternate sera à la place de la V-Star, c'est-à-dire en toute fin. Attendez, en full art, moi je dirais une carte dresseur. Et en carte dresseur, on peut pas avoir Mew, c'est impossible qu'on ait Mewtwo. C'est quoi? On dropperait Mewtwo comme ça? Au deuxième booster, le mec? Non. Allez, 3, 2, 1, boum! Ah, Roy! Attends, Roy! En GG! Mais attends, mais c'est énorme! Attendez! Roy en GG! Mais je l'ai jamais vu cette... Attendez, c'est énorme. Une dresseur. Donc on peut avoir les cartes dresseurs à ce niveau-là, d'accord? En GG. Et 65 sur 70. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait Roy en full art. Dresseur GG. Alors là, je n'avais jamais vu le visuel. Wow, c'est énorme. Énorme, les gars. Wow, je pense pas qu'elle coûte énormément, mais elle est magnifique. Hein. Vraiment magnifique. Et là, c'est, on fait une tête V-Star derrière, là, non? Non, une rare. Et Moumouflon, je suis pas sûr de l'avoir. Incroyable. Alors, attendez. On va faire une petite inspection de la carte. Qui est bien cadrée, les mecs. Eh oui! Là, ça me parle, les mecs. Ah là 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 là, voilà. Ben, Roy, je la connaissais pas. C'est pour ça que j'ai été un peu... Vous voyez, je savais pas comment être content ou pas. Mais c'est énorme. GG 65, que je ne connaissais pas du tout, quoi. Alors, celle-là, je l'avais jamais vue, en fait. Ça, c'est énorme. C'est énorme. La GG 65. Je sais pas d'où elle sort, en fait. C'est pour ça que je croyais pas qu'elle existait, en fait. Une Roy. Je savais qu'il y avait l'ordre du boss. Mais je sais même pas si c'était considéré comme une GG. C'était une GG. Mais incroyable, quoi. Incroyable. Chef-d'œuvre. Mais c'est un chef-d'œuvre. Voilà, les mecs. Eh ouais. Un petit Roy. Bon, ça commence bien, déjà, sur ce coffret. On va pas s'arrêter là. Zenith Suprême, c'est des hits à tous les boosters, les mecs. Eh ben oui, c'est reparti. Alors là, les mecs. On y va, quoi. Musique, allez. Le forceur. Le forceur, je sais, les mecs, j'ai force avec les musiques, je force. Et alors, laissez-moi faire mon kiff, là, je suis chez moi, je kiffe, c'est le week-end, les mecs. Je me détends aussi, hein, ouais, on se détend. Ça, c'est énorme. Ah, je suis désolé, je suis excité. Ça fait une semaine que j'ai pas ouvert, les mecs. Putain, mais Roy, elle sort d'où? Sérieux? Attends, mais elle sort d'où, cette carte? J'hallucine. Pour moi, c'est une anomalie. Je ne savais pas si elle existait. Ah, comme quoi, j'avais pas vu tous les visuels des GG. C'est extraordinaire. Est-ce que j'ai fait le move ou pas? Oui. Ah. Ah, je suis vraiment à l'ouest, les mecs. Ah ouais, comme si j'étais un drogué, un peu. Un genre de drogué. Allez. Donc ça, c'est spirituel. C'est ça, énergie spirituelle, je pense. Psy. Alors là, Galégon, les mecs. Ah merde, j'ai mis avec les... Moumouflon, je vais le laisser comme si je l'avais pas, parce que je suis pas sûr. Mais je crois que je l'ai. Ortide. On l'a. Galvaran. Allez. Pandesplegg, notre pote. Il est mignon, en plus, Pandesplegg. Mais bon, j'aurais bien voulu une petite brillante de Pandesplegg, une petite foulard. Eh ouais, les mecs. Ah, si, j'aime bien Poussacha. J'adore Poussacha, mais je crois pas qu'il y en ait dans une suite. Hein. Il n'y a pas, malheureusement. Et je pense que je vais essayer de trouver des foulards de Poussacha. Je crois qu'elles sont dans Origine Perdue, un truc comme ça. Allez, les mecs, petite foulard, là. Ne sait pas maintenant. Il y a de l'orage, les gars. Pyronie,
Et là, GG, c'est une GG. C'est une reverse Gravalanche. Alors, je suis pas sûr de l'avoir. En plus, c'est pas mal ce petit Gravalanche là. Sympa, Lilu. Alors, je suis pas sûr du tout de l'avoir. Une petite Vesta, une petite. Boum! Oh, Evoli! Mais non! Énorme, une petite Evoli, je l'avais pas du tout. En plus, en glossy, regardez ça! Ah ouais! Ah mec, c'est chef-d'œuvre! C'est chef-d'œuvre, les mecs! C'est chef-d'œuvre! C'est chef-d'œuvre! Ah ouais, non mais regardez-moi ça! Alors là, chef-d'œuvre, regardez ça! Regardez ce glossy! Mais en fait, elles sont pas mal, les V. Moi, j'avoue que je les critiquais un peu. Bah, sans connaître, en fait, finalement. Les V et les X, et ouais, mais au final, c'est quand même du chef-d'œuvre. Oh là 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 là, le cadrage, les mecs! Ah oui, là, ils se sont appliqués, les gars! C'est bien, ça, Pokémon Company! Qu'est-ce qui se passe, là? Oh là là, deux hits, deux bons cadrages! Eh bah, franchement, je vais pas bouder mon plaisir! Let's go, les mecs! Allez, ça se passe bien pour le moment! La petite Evoli que je n'avais pas, et donc je rentre, encore une nouvelle carte. Voilà, inédite. Donc ça, je crois que c'est celui-là qui était tout en face. Et celui-là, c'est celui-là qui était tout à gauche. Ah ouais, bon allez, là, on va faire Groit. Allez, Groit. Groit, là, bah oui, les mecs, là, Groit. Groit. Allez, c'est parti. Avant-dernier, déjà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête là, comme ça? Combien? 16 minutes? Ah ouais, les mecs. Ça fait court. Même pour moi, ça fait court, hein, je vous le dis. Mais je crois qu'on va, on va ouvrir quelque chose ce week-end encore, je pense, vous inquiétez pas. Et je vais pas faire des vidéos trop longues parce que je crois que ça saoule un peu les gens quand elles font une demi-heure et tout. Oh, putain, j'ai craché un truc. Ah d'accord. Bon, c'est pas grave, il y a que moi qui le vois. Alors. Allez. Oh. Regardez les gars, attendez. Allez mec, regardez. Je sais pas si on voit. Est-ce que vous voyez qu'il y a... On le voit pas bien. Mais moi, je vois quelque chose, les gars. Je vois que il y a un petit... Il y a comme un... Vous voyez, une carte plus épaisse à l'avant-dernière carte. Je sais pas, les mecs. Allez, énergie... alors ça, je sais pas c'est quoi. Énergie lune? Non, énergie sombre, je sais pas. Valise de secours, les mecs. Scalproa, allez, on y va, Gravalanche, il est de retour, mais cette fois-ci en normal. Et d'ailleurs, j'ai oublié, il faut que je la mette de côté, la Gravalanche Reverse, qui est magnifique. Ah, un sécateur, il est sympa quand même. Petite illude, un sécateur, à la fois je vais un peu tailler, mais franchement, il est sympa. Voilà. Emolgan. Manglouton. Ceribou. Neuneuf. Reverse, c'est Ribou Reverse. Ah, mais si on a une Reverse, on n'a pas de GG, c'est ça? Ah, une rare. Non, mon pronostic était pas bon, mais Panda Barbare, je l'ai en plus. Aïe. Ça arrive, les mecs. On peut pas gagner à tous les coups, les mecs. Ça fait un peu pauvre pour un coffret, quand même. Alors, heureusement qu'on a les promos, hein, parce que là, c'est vrai que ça fait faiblard. Mais on a la Roy qui est juste énorme, en fait. Hein. La Roy est énorme. Je l'ai jamais vu. Son visuel. Donc voilà, comme quoi on en apprend tous les jours. En plus, elle a un peu un visuel de TG, hein. De Training Gary. 1, 2, 3, 4. Allez, les mecs. Allez, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Le hit. Le hit, le gros. Bien juteux. Allez, énergie robotique, métal. J'en sais rien, les gars. Solarock. Aspirateur perdu. Luxio. Krixik. Luxi. Putain, pas de river, s'il vous plaît. Monsieur Mime. Oh putain. Tournegrin. Aïe. River Super Bowl et. Aïe, rare. Ouah, aïe, ça, là ça picote. Oh,
Tavares que je n'ai pas quand même, heureusement. Et la Super Bowl en reverse, je crois que je ne l'avais pas. En tout cas pas en reverse. Aïe 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 aïe. Ça fait mal les gars. Eh ouais là. Il est dur, il est dur. Il est dur ce coffret. Hein. Ça sent tellement bon les cartes neuves. Aïe 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 aïe. 20 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Aïe 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 aïe. Ah oui, on a encore les. En plus on a encore les. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais les gars? Bah, c'est le jeu, hein, c'est le jeu, hein. On est d'accord, hein, c'est le jeu. Hein. Après, je rentre aussi. Ce qu'il y a, c'est que je rentre aussi des inédites. Lui, par exemple, celle-là, je l'avais pas en radieux. Je l'avais pas, donc ça rentre. Gravalan, j'ai un doute. Et lui, Cravaret, je ne l'ai pas, c'est sûr, en fait. Donc c'est sympa pour la collecte et tout, mais c'est des cartes que j'aurais pu acheter à l'unité 50 centimes, quoi. Voilà. Bon, après, franchement, Roy est excellent. Voilà. Roy, belle prise, clairement. Hein. On a une belle prise. On peut la regarder vite fait encore une fois hein, parce qu'elle est vraiment sublime. Ah ouais. Vraiment sympa. En plus elle est bien cadrée là. Vraiment cool. Hein. Et la petite Evoli, sympa angle aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Ou est-ce qu'on s'ouvre un petit. On s'ouvre un petit booster 151? Allez, un petit 151 coréen. Ouais, ça fait longtemps. Allez, allez. C'était la tradition au début. Hein. C'était la tradition les mecs. Hein. Allez, un petit 151 coréen. De toute façon, on a droppé les secrets rares. Hein. Donc là, on a du Komiya, Smogo, ou Spectrum. Spectrum plutôt. Polygon ou Polygron. Ratata. Et. Reverse. Dardanian. Boum! Ah, oh, la petite New X. Voilà les mecs! Ça, c'est sympa. La petite New X. Et ben voilà les mecs, il suffit de demander, sympa. Ouais, c'est bien pour compléter le classeur, hein, mais voilà, c'est vrai qu'on a envie d'avoir des reptincelles, du salamèche, c'est sûr. Hein. Et bon, on peut pas gagner à tous les coups, les gars. Et ouais, c'est le jeu, il faut accepter, faut accepter. Non, mais c'est surtout que je vous garde des réserves pour faire des ouvertures de ouf. Donc là, on sera repassé en cam normal, je pense. Et oui, il faut aussi que je garde un petit peu de quoi vous faire des ouvertures sympas, hein, mais regardez. Déjà, eh ouais les mecs, le petit ETB Zenith Suprême, et en plus vraiment, mais nickel chrome les gars, nickel de chez nickel, hein. Truc de ouf. Hein. Donc on a ça, on a encore du Paldea, j'ai deux boîtes Dracofeu, je pense que je vais en ouvrir une, et on a aussi les trois boîtes, hein. On a Electek Elector d'ailleurs de Galar à ouvrir, mais bon. Allez, ce sera pour une prochaine vidéo, ça fait une vidéo rapide, et il en faut un peu. Hein. Allez, je vous dis bye bye, et à la prochaine, donc soit la semaine prochaine, soit on ne sait pas ce week-end, ok? Allez, ciao!